Bonjour, mon nom c'est Xingling. Je me plaçais bien parce que j'arrivais pas à poser la caméra. Voilà. On se retrouve pour un petit zombie sur Call of Duty 3. Puisque comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré un abonnement. Et du coup, nous allons direct partir en partie privée Mekogol comme je l'ai fait. C'est cachotterie qui donne des munitions max. Liquidation, immolation, c'est-à-dire boîte à 10. Bonification, c'est que je gagne 4 fois 1250 ou 1260. Du coup, je gagne un peu un truc. Automédication, c'est quand t'es tout seul, ça. Quand je suis tout seul, c'est objectif Phoenix pour mes potes. C'est genre, t'es réanimé avec tous tes atouts. Et piège fatal, c'est la batteuse. Du coup, on va partir sur un petit révélation. Et c'est parti. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais peut-être faire des vidéos sur des parties sur Black Ops 3. Peut-être un peu d'injustice en ligne. Sûrement du FIFA, mais pour ce sera de la saison, ce sera pas de l'Ultimate Team. Parce que l'Ultimate Team, j'ai arrêté puisque le jeu est bientôt terminé. Que ça m'amuse en saison. Un peu de Toque 16, du retour sur Toque 16. Parce que je l'ai réinstallé. Du Toque 17, ça c'est sûr, du Toque 17. Et peut-être du. Ouais, non, pas de Call of. Il y a que du Black Ops 3 parce que. Si peut-être du World at War si j'ai le temps, mais c'est encore rien à faire. Et un petit retour aussi sur FIFA 16. Mais sinon, il y aura peut-être des vidéos de délire, genre. Bah, pas des vidéos de délire, mais genre des 1v1 snipe avec une stick. Une stick qui va être souvent chez moi, donc des 1v1 snipe. Et samedi prochain, pas samedi, pas demain quoi, mais dans 8 jours, il dort chez moi. Donc ça veut dire qu'on va faire. Peut-être un live, à mon avis on va peut-être faire un live sur la chaîne. On va peut-être on va faire des vidéos d'un snipe, du rush, parce que lui il est j'ai créé un compte sur lui, il est niveau 40. Et sur son niveau 40, je lui ai monté un peu hier soir, parce qu'il était à 30 victoires. Et en minuit, je crois que j'ai joué jusqu'à 2h du mat. Je lui ai monté jusqu'à 43 victoires, je lui ai fait 13 victoires. Donc à mon avis, les 75, le pack opening, je vous le ferai en vidéo. Par contre, la sensibilité, elle est un peu trop forte pour moi, parce que, voilà, c'est parfait. Du coup, nous allons direct faire le rituel, directement, c'est parti. Eh bon, les zombies, attends. Ouais, c'est bon. De toute façon, ça c'est fait. Bon, Mastou, j'ai pas besoin pour l'instant. Et la boîte elle est. La boîte est là-bas, ok. Bon, ma meilleure mort sur Révélation, c'était avec Izzy. Et il est super. Et en fait avec Izzy on a eu avec First Manche on a fait je crois. On a fait 17 ou 18 manches, c'était mon record avec lui. En solo ou en partie publique, en partie privée, c'est mon record. Mais à mon avis avec Mystique cet après-midi s'il vient, on se refera une partie. On fera une petite partie sur voilà. Sur Révélation ou sur Grande Groovy, ça dépend. Du coup j'espère qu'on va avoir l'AG40 ou la G40 ou un truc comme ça ou la MX Garant. La manoir c'est super, ouais, c'est magnifique. Une arme qu'il faut franchement avoir dans les zombies parce que elle est puissante et quand elle est améliorée c'est un truc de malade. Mais le seul truc c'est que quand t'améliores là dans ce jeu là, quand j'améliore, j'arrive pas à savoir de gros vie. Je galère à moitié à activer le courant. Et rentrer dans le port de la bête. Mais dans Grande Groovy, j'arrive à activer le courant, mais je sais pas où est Pack-a-Punch. Giant, je sais tout faire. Pour courant et tout. Darazon Rare. Attends. Je savais, mais faut que je me rappelle en fait tellement que ça date que je passe à Darazon Rare. Bah, j'étais sous Bunoshima, on n'en parle même pas. Shadow Fevil, j'y arrive trop facile. Je fais même les 4 triples puisque je trouve ça c'est facile. Ouais, j'ai rien raté d'autre parce que j'ai pas le zombie chronicle, je l'ai pas.
Comme on allait en faire 2-3 manches ici, juste après. Enfin, je vais ouvrir une boîte, on va faire 2-3 manches là, et après on va partir faire le deuxième rituel. Mais moi, dans Zombie là, que je vous fais là, il n'y aura pas de coupure. Du coup, tout sera comme ça. Du coup, je prends une deuxième boîte. S'il te plaît. Oh, puis, bon, ça va, ça va, ça va. Mais j'aurais pris avoir une arme. Voilà. Du coup, on va faire une ou deux manches encore et après on va se casser. Ah ouais, c'est vrai, mais Gobblegum, il se croit-tu aux premières manches? Ah ouais, j'ai zappé ça. C'est vrai que j'ai le saison pass. Ils auraient dû mettre. Putain, mais ça date tellement que je peux pas laisser en révélation, mon gars. Faut que je trouve un Gobblegum, mon gars. Oh putain. Et ce que je voulais dire, dans la description, vous aurez l'IP de mes deux comptes. Le compte de moi que prestige 2 niveau 37. Et le deuxième compte de Mystique, c'est les pots de 8-4-9. C'est ce compte-là que je vous ai dit que je montais un peu pour le lot de virage, l'arcage et le pot de vin. Pour faire une vidéo dessus. Mais là, je pense qu'on va encore un peu le monter ce soir. Donc. Voilà quoi. Une arme, une arme, une arme. Oh putain. Putain, mais j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. La collate qui fait plaise. Dernier coffre, après j'arrête. Oh mais putain, mais tu. Oh si, ça va, j'ai rien dit. C'est le point de choc. Salut mec! Oui. Waouh! Prends des shots, ma gueule. Ouais, c'est bon. On va bouger. On va faire une dernière manche pour avoir bien les points pour ouvrir la porte. Et après, on va se casser. Attends, je vais tout y aller parce que ça manque de. Et la chaîne, franchement, là on est en août, j'ai plus trop de trucs à faire parce que tous les gros trucs, gros projets que je faisais avec mes potes, ils sont faits. Il en reste peut-être un à faire avec un pote, mais après le reste, tous les gros trucs que je devais faire, j'ai fait partir en vacances, je suis parti en vacances et tout fait. Donc là, je pourrais me mettre à fond dans les vidéos. Bah! Moi, on va faire une dernière boîte parce qu'on a assez. Attends, on charge. Voilà, deux points qui plaisent. Dernière boîte, on ne fait pas le con. Yes, Gorgon. Ça fait mal. La Gorgon ne fait mal. Tu mets deux balles de Gordon et tu cut. Ça fait mal ça. Du coup, on va partir ouvrir les portes. De mes souvenirs, c'est celle-là. Je vous dis, ça doit tellement que je suis pas allé dans le jeu. Hop. Fais pas chier. Merde, je me suis cassé. Oh putain, c'est les abeilles. Bon, je me casse. Plus j'ai ça là, donc là, ça va. Il faut bouger les salopes. Vas-y, rentrez, rentrez, porte ouverte, porte ouverte. Un niveau, c'est porte ouverte. T'as pas rendu coup de balle sur le manoir. D'accord, comme tu vas y aller, hop. Pour moi, tu vois, j'ai pas le truc.
le DLC Zombie Chronicle, parce que pour moi, pour ce que c'est trop cher. Non, je suis sérieux, 30 euros pour des maps zombies, sachant que je joue. C'est moi, il bug. Jamais... Ah, putain, non, viens vers moi. Yes, ça vient vers moi. Je recharge un peu. Par contre, c'est bon. Allez, salut. On recharge un manoir, et puis voilà. Comment dire, ils se rendent pour révélation. Pas révélation. Pour. Normalement, c'est. Ouais, c'est la prison. Je sais plus son nom, mais c'est la prison. Et là, on va rester un peu là pour faire un peu de temps. Enfin, je mets pause parce que je bois mon café 2 secondes. Et d'ici peu, si j'ai des. Dans les commentaires, s'il y a des gens qui me disent. Ouais, je voudrais faire des 1v1 avec toi sur Black Ops 3, sur FIFA, sur 2K17, sur, bah, sur tous les jeux que j'ai, même Injustice. C'est le 1 par contre. Je viendrai avec vous, je jouerai avec vous, par contre, je ferai une vidéo. Genre 1v1 avec un abonné, tout comme ça. Donc ceux qui veulent faire des matchs, n'importe quel jeu, tant que je l'ai, vous me le dites. On fait un petit 1v1. Vous avez juste à m'envoyer un message. Bah, faut que je suis sur Xbox, pas, parce que j'ai que la Xbox One. Et 360, mais j'ai pas trop de jeux sur la 36. Vous pouvez juste m'inviter, m'envoyer un message sur ce que vous voyez en haut, là, Damien 02 Gaming. Tout attaché. Ou les poteaux du 4-9. Mais ça sera tout en description. Ça va arriver à droite aussi. Putain. Je t'ai dit que ça allait arriver à droite. Recharge, dépêche. Putain, mon. What the fuck, ma gueule? Cut là, cut. Fais ta place, mon gars. Voilà, c'est comme ça que je te connais. On va directement partir pour un petit gobblegum. J'espère qu'on va avoir un truc bien. Yes. Ça, c'est bien. Tac. 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 Attends. Je vais aller ouvrir là-bas et finir. Voilà. Fait. Prends la petite canne qui est sur le mur. Je m'y attendais pas. Je vous le dis, j'ai jamais fait de grosse manche sur cette map parce que elle est très compliquée et jamais eu beaucoup d'atouts. À part quand j'ai eu une fois creusé d'atouts, je suis direct allé faire révélation et j'avais fait 14 manches. Sachant que le. Ouais. Du coup, c'est moi le. Le seul atout que je prends, c'est couilles sauvages et masto. Oh putain. Oh putain. La vidéo a déjà failli se terminer, mon gars. Mais là, faut vraiment que j'aille créer le masto, par contre. On va prendre la manoir, là. Pour les attendre avec le manoir. Vous le prenez, ça fait plaisir. On va monter à Origins. La porte qui est là, du coup ça va nous faire descendre. Toc 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 toc. Voilà. Et on aura tout ouvert. Et là je pourrais aller prendre mon petit masto. Non, c'est pas ici. Je me suis trompé. C'est pas. Là c'est 150 donc. C'est parti.
Tac, on va retourner au point de départ et on va aller chercher Masto. Du coup, on a un Kino Del Toten. Et on va prendre Mastodonte. Voilà. Bon, les zombies arrivent. Du coup, là, on a Masto. Et on est assez bien, ça va. Franchement, là, c'est un petit zombie détente que je suis avec vous parce que. Ouais, en ce moment, j'avais pas trop le temps de faire des vidéos. Là, j'ai le temps. Là, je pense que je vais tourner 2-3 vidéos de suite. Puis voilà. En plus, j'adore la musique épique, mon gars, dans le jeu. Le Slaymaker. Par contre, on a pris la merde là. Oh, par contre, les cartes tout défonce. Ouais. J'espère qu'on va avoir automédication si on va prendre un mogol. Mais le MK ça fait putain de mal, mon gars. Mais ça fait là les dégâts, le MK. Faut que t'es, les gars, faut que t'es. T'as bien. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire, moi? J'avais dit quoi? Oui, Gobblegum. Fait, il a été fait ici ou pas? Non, il n'a pas été fait. Recharge, Michael, recharge! Je suis pas dans la merde, je suis pas dans la merde, je suis pas dans la merde, je suis pas dans la merde! On se casse, on se casse, on se casse, on se casse! On se casse, mon gars, on se casse, on se casse, on se casse! Putain, j'ai eu le temps de faire le rituel, mais. Oh putain, on me touche, je suis mort. On me touche, je suis mort. On me touche, je suis littéralement mort. Où ta vie? Ouais, mais je suis tombé vénère sur ce map. Oh, ça marche que la merde. Il me faut un gobblegum, mon gars. Pas de gobblegum ici. Bon, bah voilà. Ce qui est dommage ici sur cette map, c'est qu'il n'y a pas de. Oh, il y a window, il y a window. Voilà, c'est bien ça. C'est bien Window. Je vous le dis que cette map elle est dure, vraiment dure, franchement. Oui, je vais zapper qui va le Marquois, mec. Je vais zapper qui va le Marquois. Putain, la révélation, j'avais zappé qui va le Marquois, mon gars. Prends pour moi. Yes, botte à 10. Faut déjà tenir la manche. Le Marois va arriver, ça va être. On va bientôt être dans la merde là. Le gars il arrive, je sais pas où, mais il arrive. Oh, il est arrivé à moi comme ça, quand même. Ok, il est là. Putain, il est là, le zombie derrière mon gars.
Oui! Mon gars! Bon, du coup, vous comprenez pourquoi maintenant je galère sur cette manche? C'est la manche du Marbois que je galère. Je vais le dire, c'est le dernier zombie, mais non. Franchement, sur ce moment, je peux vraiment tourner, mais un truc de malade. Avec Izzy, on est vraiment tourné. Mais on n'avait jamais tourné autant tourné de notre vie. Donc il faut au moins que je garde un... faut que je fasse un rampant. Donc il va être énervé là le Marbois. Il s'est téléporté le con. Il est là, il est là. Putain, il est vénère. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. On se casse, on se casse, mon gars, on se casse, on se casse. Là, j'ai vu, on a sa tête, on a sa tête. Ouh, putain, c'est chaud. On va bien profiter de faire les boîtes à 10. Dès qu'il y aura un ou deux zombies. Mais mon gars, je te jure, c'est galère. Faut chimiquer le Marbois en fait. Et après là on pourra profiter des potes à 10. Pire si c'est 2-3 zombies on peut tourner mon gars. Qui est là-bas. Yes, on a le Marbois. Prends la bombe. Oh putain, j'ai cru que j'allais prendre la bombe. Mon gars, on va aller faire les potes à 10. Faut que je trouve un emplacement de boîte. Dès que j'aurai trouvé mon emplacement de boîte, ok, c'est bon. Yes, Kane 40. Ah non, c'est Kane. Yes, les singes. Locus. Putain, merde. Rift 9, ok. Le Rift 9, on garde. On se casse. On peut encore tenter une boîte, je pense. Voilà, voilà. Non, j'ai rien dit, j'étais des galères en fait. Si on peut, on peut. On peut aller choper l'arme. On peut aller choper l'arme. Yes, VMP. Il est une arme magnifique. Bien. Bon, bah, voilà. DR, 12 manches, même. Pour moi, ça va. Bon, moi les gars, j'espère que vous aurez aimé ces petits zombies délire, détente. En tout cas, moi je vous dis ciao tout le monde, à une nouvelle vidéo. Peace. Et vous aurez les liens des deux Game Tagger de mes deux comptes dans la description. Allez.